Bonjour, je suis Monsieur Colbert Ayadji, le directeur des études de l'Institut africain des études du développement. L'Institut a été créé en 2016, donc nous entamons notre quatrième année. Donc c'est une jeune école, mais qui est quand même en pleine croissance. C'est une école qui est spécifiquement en fait concentrée sur les filières de développement. D'accord, nous travaillons avec les collectivités, avec les ministères, avec les ONG. D'accord, donc les étudiants qui s'inscrivent dans cette école sont tous conscients et sont tous motivés pour devenir des acteurs du développement, développer leur pays et leur continent. Et donc, si vous voulez, c'est l'axe principal de la création de cette école. D'où nos filières un peu spécifiques qui sont au niveau de... qui sont génie pétrolier, génie agronome, génie civil, management appliqué, gouvernance publique, santé publique, voilà. Alors, la particularité de l'école, c'est d'abord sa localisation géographique, d'accord, son positionnement géographique. Nous sommes entre la foire et le rond-point Liberté 6, qui sont des concentrations de transport public. Donc, c'est beaucoup plus pratique pour nos étudiants. Nous avons aussi beaucoup de partenariats et de conventions, enfin, ou d'accords avec des structures qui sont dans les domaines dans les différents domaines en fait des filières de l'école, c'est-à-dire génie civil, génie agricole, génie pétrolier. Donc, nous avons pas mal de partenaires et ces partenaires-là chaque année recrutent chez nous. Et donc ça, c'est un avantage majeur pour nos étudiants, surtout les parents. Les parents sont intéressés par cet aspect de l'école. Donc, si vous voulez, ça donne une particularité à l'école. Et ça, c'est très important. Autre chose, en fait, c'est que le corps professoral ici est très qualifié. D'accord ? Donc, la plupart des enseignants sont des docteurs, la majeure partie d'entre eux. Le reste, ce sont des professionnels, tous des professionnels. Certains sont des experts parce que quand même, les domaines dans lesquels nous enseignons sur des domaines assez pointus, donc certains sont des experts. Et ça, c'est très important parce qu'aujourd'hui, un étudiant qui veut bénéficier d'une bonne formation doit pouvoir être capable d'allier théorie et pratique. Et donc, c'est carrément le cas de cette école. D'accord ? Et donc, ça offre un avantage majeur pour la décision de venir étudier ici pour nos cibles. Alors justement, comme nous avons beaucoup de partenaires, comme nous avons pas mal d'entreprises qui nous accompagnent, d'accord, chaque année, pour l'insertion, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour l'insertion c'est assez simple. Nos partenaires viennent recruter les meilleurs, d'accord, donc les meilleurs de leur promotion, les meilleurs de leur classe sont systématiquement recrutés par nos partenaires pour pouvoir effectuer le stage en vue d'un emploi, une embauche imminente. Donc nous avons quand même un taux d'insertion assez élevé, d'accord. Donc à ce niveau-là, je pense que l'école a su bien ficeler les conventions et les partenariats de manière à ce que nos étudiants n'aient pas de soucis face au monde professionnel. Alors, le partenariat avec Coaching Gaïan IAED est un partenariat qui me semblait déjà nécessaire et qui me semble aujourd'hui inévitable. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les étudiants sont confrontés à deux obstacles majeurs lorsqu'il s'agit des études. Le premier obstacle, c'est l'orientation. Ils ont du mal à bien s'orienter, d'accord ? Le choix de la filière et le choix de l'école sont de gros problèmes, d'accord ? Une grande problématique que subissent ces étudiants, et donc ils ont besoin de structures comme Coaching Gaïan pour les orienter, d'accord, pour les aider à choisir déjà la filière qui leur convient, mais aussi à choisir l'école, d'accord, qui puisse leur offrir un meilleur environnement, d'accord, qui puisse leur offrir une bonne formation, une formation de qualité. Et donc je pense qu'aujourd'hui un partenariat entre IAED et Coaching Gaïan aura majoritairement deux volets, d'accord, qui peuvent être utiles, c'est-à-dire déjà le volet orientation, d'accord, par rapport au choix de filière et par rapport à l'école, d'accord, et le volet conseil. Le volet conseil maintenant, c'est surtout sur les aspects professionnels, d'accord, parce que toutes les écoles n'ont pas beaucoup de partenaires.
certaines écoles comme IAED font partie des petites, enfin, font partie du petit nombre d'écoles qui ont, qui ont beaucoup de partenaires qui les accompagnent sur le plan professionnel. Donc, cet étudiant qui veut choisir déjà une filière et une école a besoin aussi d'être conseillé et guidé sur le plan professionnel. Et à ce niveau-là, je pense que Coaching Gaillant apporte beaucoup, d'accord, aux écoles comme IAED. Et je souhaite vraiment que ce partenariat soit solidifié et puisse faire durer dans le temps. Alors, je recommanderais à tous les parents d'étudiants de vraiment bien se renseigner avant d'envoyer leur enfant dans une école. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement d'écoles au Sénégal, alors ce qui est une bonne chose parce que ça montre que l'éducation est devenue importante, d'accord, si ça ne l'était pas avant. En tout cas, aujourd'hui, ça prouve que l'éducation est très importante aujourd'hui pour le Sénégal. Donc, il y a tellement d'écoles, il faut faire très attention au choix de l'école que vous faites pour votre enfant parce que c'est cette école qui va donner une vision, on va dire, un chemin à cet enfant. Donc, il est important que vous choisissiez une école qui peut garantir quand même à votre enfant un avenir, qui peut garantir à votre enfant une conscience professionnelle, qui peut garantir à votre enfant une capacité à faire les bons choix demain. D'accord ? Et donc ça, par rapport à ça, il faut bien se renseigner sur les écoles. C'est vraiment important. D'accord, bien se renseigner avant de choisir, ne pas choisir dans la précipitation et surtout ne pas attendre la dernière minute avant de commencer à faire les démarches. Avant même le bac, il faudrait commencer déjà les démarches de renseignement sur les écoles afin d'être sûr que au bon moment, vous ferez le bon choix. Donc, c'est surtout ce message que je souhaiterais transmettre aux parents parce que c'est quand même les parents qui guident leurs enfants sur le plan scolaire et académique. Donc, je pense que c'était nécessaire et important que j'en parle.